là 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 là. Trop fort ces Suédois. Et vous savez que j'essaye en fait de plus en plus d'introduire le vlog sur ma chaîne YouTube. Le dernier vous a pas mal plu, je vous le mets juste ici si vous n'avez pas encore vu. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog appart numéro 2. Alors, il faut savoir que quand j'ai commencé mes vlogs, enfin quand j'ai eu l'idée de faire ma série de vlogs appart, il n'y en a que un hein, pour le moment sur ma chaîne YouTube, j'avais pour idée de vraiment beaucoup plus filmer tout le processus de montage, etc. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites pendant la canicule, donc en septembre, fin septembre comme ça. C'est simple, tout le monde était à poil, c'est-à-dire que j'ai monté ma garde-robe avec mon père qui était en slip. Et puis même en fait il faisait tellement mais tellement chaud que j'ai juste pas eu le courage en fait de filmer les vidéos parce que c'était déjà une énorme tâche de devoir du coup tout monter, tout assembler pendant, pendant cette canicule au mois de septembre. Et du coup après le temps est passé etc et je me suis dit bon bah ok je ferai un vlog numéro 2 quand tout sera plus ou moins bien mis. Si vous me suivez sur Instagram vous voyez mon appart assez souvent. Dans le vlog précédent on l'a vu pas mal aussi donc voilà, ici c'est vraiment pour vous montrer un petit peu plus en détail comment je me suis organisée ici, puisque c'est vrai que c'est pas un, c'est un studio en fait hein, c'est pas un truc énorme, mais j'ai réussi à prendre mes repères et je suis super contente. Avant de commencer la vidéo, je dois vous présenter ceci. Je suis trop contente. Ce sont mes cadres de chez Desenio. Cette vidéo est en collaboration du coup avec Desenio. J'ai pu faire une sélection sur leur site. Et donc voilà ceux que j'ai choisis. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Si vous avez vu mon vlog précédent, vous savez que j'avais en fait exactement la même disposition de cadres. Sauf que justement pendant cette même canicule, j'avais attaché mes cadres avec des espèces de petits... pas des trous en fait, j'ai pas fait de trous dans le mur parce que ici c'est un peu compliqué. Comme il y a eu la canicule, tout est tombé et du coup mes cadres étaient en verre, il y avait du verre partout. Là il fait beaucoup moins chaud évidemment et du coup j'ai retenté l'expérience, j'espère que ça tiendra cette fois-ci. J'ai essayé de faire des tons assez... neutre et basique pour pas que je m'en lasse. Vous avez ici du coup des rappels à New York, Los Angeles et cette affiche que je trouve super jolie parce qu'elle est très grande. Je sais pas si vous voyez par rapport à la taille du mur avec le canapé, c'est quand même assez grand. Comme c'est blanc et noir, en fait je sais que c'est le genre de choses dont je vais beaucoup moins me lasser. Voilà un petit peu donc la compo. Du coup vous avez 25% avec le code MIAX25. Je vous mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai aussi dans la barre d'infos tous les modèles que j'ai sélectionnés, comme ça vous savez un petit peu ce que j'ai choisi, parce que c'est vrai que sur le site il y a plein d'inspiration. Moi c'est vraiment un site que j'aime bien, vous le savez, j'ai décoré aussi mon précédent appartement là où je vivais chez mes grands-parents avec ces affiches là. Et c'est vrai qu'il y en a tellement, pour s'y retrouver sur le site c'est mieux que je vous donne les références, donc je les mettrai dans la barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à commander et ensuite à m'envoyer un petit message si vous commandez, ça me fait toujours plaisir de voir du coup vos compositions. Je pense qu'on peut passer dans le vif du sujet qui est du coup le reste de l'appartement. Je vous préviens, c'est pas un truc de ouf hein, je vais pas vous montrer des trucs de ouf, mais je pense que ça peut être assez sympa de vous montrer comment j'ai organisé ça et
comment je fais en fait pour optimiser un petit espace comme ça. Alors du coup vous avez ici la porte d'entrée, vous avez mes valises avec des vidanges etc, des choses que je dois rendre, donc ça faites pas attention, il y en a toujours un peu partout. Quand vous rentrez du coup sur la droite vous avez ceci qui est une armoire avec en fait il y a un petit peu de tout, mais je dirais que c'est essentiellement de la bouffe. Vous voyez que ici j'ai mis tout ce qui est conserve. Bon, ça on va faire comme si on l'avait pas vu. Ici j'ai trouvé en fait un bac que vous, hop, vous rentrez comme ça sur l'armoire pour pouvoir accrocher un porte-couvert parce qu'en fait j'ai pas de tiroir pour les couverts, donc c'était un peu embêtant. Ici vous avez bah, du coup tout ce qui est conserve, riz, ici c'est de la noix de coco, ça c'est les Rice Krispies pour faire des petits des petites barres énergétiques soi-même, les lentilles pour faire de la soupe. Ici d'habitude je mets mes verres mais il n'y a plus que cela parce que les autres sont lave-vaisselle. J'aimerais bien bah, du coup pouvoir mettre des bacs comme ça vraiment partout. J'avais acheté ceux-là chez Ikea mais je vous avoue que j'en suis pas du tout contente. Ils sont beaucoup trop bas et du coup on voit tout le bazar, ça me dérange beaucoup. Ensuite on passe à la salle de bain. Ici j'ai acheté des trucs que je trouvais trop cool parce qu'en fait ça, petite astuce, d'ailleurs mon miroir est un peu sale. J'avais aucun rangement en fait, j'avais juste ce robinet quand je suis arrivée et donc aucun rangement autour. J'ai acheté chez Ikea ceci qui est une armoire dans laquelle je mets ben voilà, hein, le papier cul comme tout le monde, les essuies, les savons etc. J'avais pas envie d'avoir des brosses à dents, des trucs bidules, là je voulais juste le savon. Du coup j'ai trouvé ça chez Ikea, c'est un pot avec une ventouse donc c'est trop chouette. Et c'est super cool parce que vous devez pas faire de trous dans les murs évidemment. Et en fait j'ai les mêmes dans la salle de bain qui sont là, donc ici j'en ai un pour le savon, ici il y en a presque plus, c'est mon savon au lait de chèvre pour le visage. Et ici pareil j'en ai mis un bah, du coup pour tout ce qui est shampoing, ici vous avez du coup mes nettoyants coco fraîche que j'aime pas trop d'ailleurs, mon coco pur que j'aime beaucoup puisque c'est le gommage au café, et alors ça je suis complètement accro, c'est mon démaquillant de chez Pixi. Ici du coup vous avez une eau micellaire, même si la plupart du temps je me démaquille avec ça, des cotons démaquillants réutilisables. Voilà comment ma cuisine se présente, elle est assez petite mais assez fonctionnelle. Vous avez sur la cuisine un blender. Ensuite à mon lit, et celui-ci c'est un lit qui vient de chez Ikea, hop je remets ça, il vient de chez Ikea ce lit, et en fait vous pouvez le voir juste ici, vous avez de chaque côté des tiroirs, donc il y en a deux là et deux de l'autre côté. J'ai vraiment bien fait de prendre celui-là parce qu'en fait je peux mettre plein de rangements. En fait pour YouTube j'ai besoin d'énormément de place pour tout ce qui est ring light, chargeur. Ça c'est un petit plateau que ma soeur m'a donné et en fait je sais pas ce que j'aurais fait sans, puisque je sais pas si vous l'avez remarqué mais je n'ai pas de table. J'aimerais mettre une table dans le futur juste ici. Je vous avoue que je m'en souviens soit sur mon bureau, soit là-dessus dans mon lit en regardant un petit film ou quoi, ou soit ici donc dans mon canapé, mon bureau que j'ai décidé de mettre au pied du lit pour faire une espèce de séparation comme ça. Pareil, hein, vous avez les deux tiroirs là. Et ensuite, ben, ça fait vraiment une pièce très longue je trouve, et c'est assez sympa. Là j'ai mis un miroir qui vient de chez Ikea, pareil. Hey! Mon rangement make-up, donc dans lequel je mets à peu près tout mon maquillage, puisque j'en ai quand même pas mal et que ça c'était juste obligé parce que sinon je sais pas où le stocker. Et voilà, donc ici j'ai toutes mes brumes, je vous montre vraiment vite fait, mes palettes, enfin voilà, c'est un peu le bazar. Ici tous les produits pour les cheveux. Et ici vous avez pareil des produits pour les cheveux.
Et là, c'est le Dyson Airwrap de Roman qui me le prête pour l'instant. Donc, je suis assez contente. Je fais souvent mes cheveux avec. Là, vous avez du coup une petite place pour mon Dyson. Parce que c'est Team Dyson. Ici, on est une famille très, très Dyson. Donc, voilà. Moi, j'ai celui-ci pour... Le balai en fait pour passer dans l'appart, il est très très pratique. Ça je pense que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo parce que ça fait un moment que je les ai ces pots là et je les aime beaucoup. Ça c'est un fauteuil du coup que vous avez certainement vu dans le début du vlog. C'est un fauteuil que j'ai monté toute seule, j'ai été chercher chez Ikea comme une grande. Qui est au prix de genre 120 ou 130 euros je pense. C'est vraiment un prix très avantageux. Après je vous avoue qu'on n'est pas hyper hyper bien dedans parce que regardez en fait à l'arrière c'est juste des coussins qui recouvrent. Mais moi pour faire mes vidéos, pour manger un petit bout, pour me poser, c'est vraiment suffisant. Et j'ai mis un petit tapis que j'avais déjà dans l'autre appartement chez mes grands-parents. Ici bah du coup mon endroit préféré, ma garde-robe. Alors j'ai déjà plus du tout de place. Mais malheureusement en fait je pense que vous le voyez, le mur il s'arrête juste là. Donc je savais fatalement pas prendre quelque chose de plus grand. J'ai mis tous mes blazers, vestes, etc. que je pouvais au maximum ici. Et là vous avez bah voilà des pulls, des chemises, t-shirts. J'ai gardé quelques trucs chez mes grands-parents aussi. Et c'est pour ça qu'en fait vous avez un petit peu de tout ici. J'essaye de varier. Ici j'ai mis un tiroir très Princesse Mia vibe. Des petits bracelets, des bagues, etc. Donc tout est un petit peu rangé correctement. Ensuite ce tiroir-ci il est vitré comme ça devant. Je regrette un peu puisque bah, en fait on voit quand même vite le bazar. Et il est rangé comme ça, donc vous avez quelques culottes, chaussettes, soutien-gorge, voilà les chaussettes, les bas collants, etc. Ça c'est la culotte de règles de chez Fempo que je dois tester. Dans ce tiroir-ci j'ai mis quelques jeans, mes jeans préférés, mes jeans coup de cœur. Bon il y en a vraiment partout et c'est pas très bien rangé mais je vous montre vraiment ça tel quel. Voilà un petit peu de tout en termes de pantalons. Ici vous avez bah, du coup 2-3 sacs qui sont aussi les sacs que je mets le plus pour le moment. Chapeau, casquette, des bodys, donc vraiment toute ma réserve de body est ici. Et alors derrière c'est tout ce qui est brassière de sport, écharpe, etc. Et ici vous avez bah, du coup le bazar. Là pareil c'est des tops d'été, des foulards d'été. Et ici vous avez quelques pyjamas. J'ai oublié de vous présenter du coup ceci, donc qui est ma chaise de bureau, pareil, chez tout vient pratiquement de chez Ikea, j'ai l'impression, hyper hyper confortable. Ici vous avez deux de mes éclairages, malheureusement j'ai pu en prendre que deux de chez mes grands-parents. Je les dévisse pour que ça prenne moins de place et j'ai pas d'autre endroit qu'en dessous du bureau, donc ben voilà. Pareil, encore des chargeurs. Alors pour YouTube et Instagram j'ai des centaines de trucs. Mon Mac qui ne me quitte jamais. Et voilà, bon, mes petits agendas, machin, bidule. Et alors, j'ai oublié de vous montrer. Mais donc, ici, vous avez bah, ma terrasse. Je vais ouvrir. Vous l'aviez vu dans le premier vlog. Mais je sais pas s'il y avait déjà les chaises. Ici, j'ai mis bah, voilà, des chaises qui viennent de chez Ikea avec une petite table. Bon du coup maintenant que j'ai fini de vous montrer l'appartement, si vous avez des questions vous n'hésitez pas, hein, vous me les posez du coup en commentaire. J'aimerais aller chercher 2-3 plats préparés pour le reste de ma semaine. Étant donné que ben voilà, j'ai beaucoup de boulot pour le moment pour l'école. Je vais en profiter pour faire 2-3 photos. Je suis toute seule donc ça risque d'être un peu compliqué mais je vais essayer. Du coup on est parti, j'ai mis ma petite casquette. Est-ce que je suis un peu too much? Oui complètement. Est-ce que je suis toujours too much? Oui complètement. Port du masque, très important. Oh là là, avec les oreilles qui dé... Oh là 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 là. Je vous ai pas repris depuis que je suis partie en fait. Je suis passée chez Gabriella, donc c'est un nouveau traiteur en fait à Uccle. Je me suis pris un petit tiramisu. Ça c'est en fait de la mozzarella panée, incroyable. Et j'ai pris des légumes, hein, des aubergines et des courgettes. Alors vraiment non mais des pains au lait bio, genre ça change quelque chose. Ça va, c'est un peu plus healthy.
J'ai pris du pain de chez la ferme du hameau droit que j'adore. Bon et bien voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé de vous détailler au maximum mais je voulais pas non plus que ce soit hyper embêtant pour vous, ça intéresse pas spécialement tout le monde comme ça les petites visites d'appart. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours super plaisir, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, moi ça me fait vraiment très plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux, également un petit like. Et puis voilà, on se retrouve sur Instagram le reste du temps. Je vous fais des très gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.